La journée de vendredi de training s'est à peu près bien passée, j'avais des bonnes sensations, mais un peu compliqué avec la voiture sur les circuits longs, comparé de Val d'Argenton qui est un petit circuit où la voiture était vraiment dans son élément. Donc on a vachement travaillé sur le châssis entre les deux manches, on a trouvé des choses qui sont de mieux en mieux, donc on évolue. Donc on a fait notre journée de training pas mal et on a eu une casse sur le pont Winters en fin de journée, une casse qui était non réparable sur le pont actuel. Kaline qui roule au championnat de France et au DMGP nous a vendu un nouveau pont Winters pour pouvoir rouler aujourd'hui. Donc un pont Winters mais qui est plus costaud, tout ça. Donc Denis, Tom, l'équipe de Jason, Max est venu nous filer un coup de main, merci à eux d'ailleurs. Et puis bah, Denis et Garage Blondeau ont assuré pour pouvoir rouler ce matin et tout s'est plus ou moins bien passé. Les qualifications ce matin, premier passage, je fais la deuxième place je crois. Je suis rétrogradé en quatrième ou en cinquième place. Je fais mon deuxième où je remonte en troisième place. Je fais un meilleur déclenchement, mais en règle générale, pas mal. J'avais des bonnes sensations. Je roulais pas comme les meilleurs passages de mon training, de mon training du vendredi, mais bien assuré et pour faire une troisième place étant donné le niveau de ce matin, très très content. Donc bon augure pour cet après-midi, pour le top 32. Allez, passage. Top 32, première battle, donc un peu compliqué, je tombe contre Ben Vavasseur qui fait partie de la famille, hein, de la slide. J'ai fait le taf mais j'étais pas très content de ma battle étant donné que je pense avoir perdu à cause de ses erreurs et non pas à cause d'un vrai roulage de qualité de ma part. Mais voilà, c'est le drift, hein, y a un aller, un retour, à un moment donné ça se compte au nombre de clips, ça se compte au nombre d'erreurs et voilà, bon bah ça passe. Deuxième battle, je tombe contre Yazid qui est dans le même délire, hein, il est juste à côté. Donc on est tout ce petit groupe ensemble, donc toujours un petit peu frustrant aussi, mais de mieux en mieux. Je fais une meilleure battle avec un très beau run leader et un run shooter correct, mais Yazid avait fait des petites erreurs, on m'a spoté comme il faut, ce qui m'a permis d'anticiper un petit peu mon deuxième run. Et ça fiche par de Mathias Le Catévini. Ce qui
s'est passé, c'est que je chauffe jamais avec l'anti-lag. L'anti-lag, c'est ce qui permet de maintenir une pression de turbo pour une réactivité de pédale hyper incisive. Avec le 92, j'avais pas besoin parce que j'avais énormément de coupe, mais avec la série 1, étant donné qu'il y a un gros manque de coupe sur le bas moteur, et ben pour avoir une bonne réactivité de pédale et pas avoir le lag, et ben on met un anti-lag, voilà, ça porte bien son nom. Et en fait, je chauffe jamais avec l'anti-lag, et quand je suis arrivé à mon run leader, donc mon premier run, l'anti-lag il ne marchait plus. Et là, il ne devait pas avoir assez de pression de turbo, et quand je suis arrivé au déclenchement, en fait, la voiture n'avait pas de... Sur la ligne d'élan, j'ai fait 1, 2, 3, 4, j'avais pas la même puissance que d'habitude, même sans l'anti-lag. J'ai fait un déclenchement, et avec le grip des pneus, bah, malheureusement, la voiture a tiré droit, a regrippé. Donc j'avais Teddy dans les oreilles, puisque c'est lui qui me spot ce week-end. Il m'a dit quoi faire, j'ai éteint la voiture pendant qu'on revenait, éteint, remis en route, réessayé. Voilà, je fais un super run suiveur, qui est d'ailleurs, je pense, une de mes meilleures battles de mon top 32 en suiveur, parce qu'avec Yazid et avec Ben Bavasseur, c'était pas fameux. Donc voilà, la mécanique, c'est comme ça, malheureusement. Je suis un petit peu frustré, c'est normal, puisque au fur et à mesure, on roule de mieux en mieux et on est dans l'après-grille top 32, on est avec tous les pilotes qui avancent. On a envie d'y aller, puis surtout que voilà, on voit tout le monde, toute la pression qui monte, toute l'équipe qui est à fond. Vous savez, hein, on en a déjà parlé dans les autres vidéos, hein, c'est ce qu'on aime ressentir dans le drift en France ou ailleurs d'ailleurs. Donc voilà, un peu frustré, mais je suis de base un petit peu, quand c'est moi qui fais une bêtise, je suis un petit peu en colère. Là, je le suis pas, étant donné que c'est la mécanique et que malheureusement, ça se prévoit pas. Donc on finit sur une bonne battle suiveur et puis en route pour demain. Espérons-le d'être sur la boîte demain soir, puisque ça donne forcément envie. Voilà, en point, je pense qu'on est bien. Je crois qu'on est toujours deuxième. Mais Lieber a fait une très bonne journée, donc il se rapproche. Et avec ceux qui étaient un petit peu derrière moi, ça se maintient. Donc en route pour demain et encore plus motivé qu'aujourd'hui, et je pense avec la pluie. Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part les qualifications qui étaient bonnes. Donc on a fait les qualifications du premier passage sous la pluie. Il était bon, j'ai fait une troisième place. J'avais des bonnes sensations, c'était la première fois que je roulais avec la voiture sous la pluie. Et franchement, bien, je dirais même un peu mieux que sur le sec. Deuxième passage sur le sec, j'améliore pas, mais je me fais plaisir, donc c'était sympa. Premier passage en top 32, je tombe contre Zanato, un pilote qui a fait une wildcard ce week-end. Je fais un premier passage leader qui est bon, je rate juste le clip, je crois, au bout à l'épingle. Mais franchement, je fais une bonne ligne leader, on avait un peu augmenté les pressions. Et la conclusion que j'en fais, c'est qu'on aurait dû l'augmenter tout au long du week-end. Parce que ça me jetait un petit peu plus sur les clips. En termes de vitesse, ça se ressemblait. Donc voilà, c'est le petit constat que j'en fais. Mes suiveurs, Teddy me spot, il me dit ce qu'il faut, mais... Je prends un petit peu exemple sur ce que fait Jason. Même s'il y a eu des erreurs ou quoi que ce soit, il vient toujours se mettre dans la porte. Je pense que pour évoluer, il faut que je prenne l'habitude de le faire. À moins que vraiment en face, au run leader, le gars derrière fasse un regrip ou une faute éliminatoire. J'y vais, je me mets direct dans sa porte. Et quand on fait le transfert, on se touche un tout petit peu. Donc on se touche au plus de 3, il fait un regrip au plus de 4. Les juges ont dit que c'était de ma faute, donc bon. Voilà, les juges, c'est comme ça. On fait un sport où malheureusement, c'est un des seuls sports automobiles, je crois. Peut-être que je dis une connerie, mais en tout cas, que j'ai en tête, c'est le seul sport automobile où malheureusement, on ne dépend pas d'un chronomètre. Ça fait partie du truc, qu'on soit jugé par des personnes physiques et par une télémétrie.
Pour le coup, voilà, je suis pas trop d'accord avec la décision, mais ça change rien. On aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, ça me fait sortir en top 32. Petit goût amer étant donné qu'aujourd'hui j'avais des super sensations. Mais bon, on reste positif pour la suite. Je suis troisième au championnat. Josu est passé devant moi. Félicitations à lui. Il fait un super week-end. Il est très très près. Hein. Je crois qu'on est à 30 ou 40 points. Jason s'envole un peu. Mais bon, troisième il y a 2 ans. Deuxième l'année dernière. C'est pas encore fait, mais. En toute honnêteté, il mérite le titre de champion, étant donné que pour moi, cette année, il a un petit cran au-dessus. Mais voilà, c'est pas perdu, on va tout donner pour la fin de saison. On a pas mal de choses à faire et je pense qu'à Calmont, on va être dans le plus gros gap que la voiture va connaître dans la saison. Parce qu'on va changer plein de choses, on va améliorer le châssis, on va avoir un peu de temps pour le faire. Vivement cette petite coupure dans la saison pour pouvoir faire améliorer la caisse et puis pour revenir encore plus en forme à Calmont et gagner peut-être enfin une manche puisque j'ai fait quelques podiums mais pas encore gagné donc je garde ça dans le viseur et on va tout faire pour.